J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je tiens tout de suite en début de vidéo à m'excuser pour le fond. Normalement je ne devais pas filmer ici, hein. Il y a des cartons partout, il y a des emballages, il y a des machins, il y a des trucs. Je suis désolée parce que ma chambre n'est pas tout à fait en ordre encore et du coup j'ai pas pu tout ranger encore, donc pardonnez-moi pour ça. Donc on va se contenter de ça pour cette fois-ci et pour la prochaine fois ben je me remettrai à ma place, mais bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, en fait la luminosité elle est à chier, donc je suis désolée. Parenthèse finie. Aujourd'hui on se retrouve pour un partenariat avec Donalove Air, donc c'est un site qui vendent des perruques synthétiques ainsi que des perruques qui sont quand même naturelles, qui font naturel, donc voilà, des vrais cheveux, donc qui sont beaucoup plus chers évidemment. Donc cette boutique, très surprise, m'a contactée il y a un petit peu de temps. Alors je pensais que c'était un fake comme d'habitude, mais j'ai voulu quand même demander et non, ce n'était pas un fake. Ils envoyaient vraiment une wig pour que je la teste, pour que je vous montre. Dans la description il y aura toutes les informations de Donalove Air. Je vous mettrai l'Instagram, tout le YouTube, mon code promo, donc je crois que c'est Kimiko. Vous regarderez dans la description également, vous avez 8$ de rabais, donc comme ça au moins ça sera un petit peu moins cher. Donc c'est une wig à la base qui coûte 125$, donc oui c'est pas rien, 125$ pour le coup, pour qu'on me demande de m'en envoyer une, moi je dis pas non. Donc je l'ai reçu dans un colis comme ça, dans un colis TNT, on s'en bat les steaks. Donc c'est arrivé super rapidement, bon avec le jour férié c'est sûr que ça a eu un petit peu de retard, mais bon c'est pas grave. Donc on va tout de suite ouvrir ce magnifique paquet. Donc vous allez voir la wig, elle est belle. Je vous invite vraiment à aller voir, à checker ce site, il est vraiment merveilleux, j'aime, je suis trop contente de l'avoir découvert. C'est vrai que les prix sont hardcore, mais ils sont beaux et je pense que cette wig que j'ai pris va être magnifique. Oh là là, oui, je suis trop contente, c'est un truc de malade mental. Attention, donc voici la boîte qui a pris cher lors du, je pense, du trajet. Donc jolie boîte, très jolie présentation comme vous pouvez le voir. Donc moi j'adore la présentation comme ça, argentée, Donalove Air, Love is All. Donc avec un petit ruban, oh moi je trouve ça magnifique, et derrière Enjoy. Donc voilà, moi j'aime trop. Donc on va tout de suite ouvrir cette magnifique boîte. Donc attention, 1, 2, 3, on ouvre et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez me dire, mais t'as déjà une perruque comme ça pour les connaisseurs. Oui, j'ai déjà une wig qui a cette couleur-là, mais vous allez voir. Donc, je vais tout de suite faire le topo. Tout d'abord, ils offrent une petite brosse, donc j'apprécie énormément le geste, parce que ce genre de brosse, je voulais en commander une, et je trouvais pas forcément le temps d'en commander une, donc je suis très contente qu'ils en ont envoyé une, parce qu'elle est magnifique, et moi j'adore ce genre de brosse, ça brosse tellement bien, c'est tellement bien pour les wigs, enfin je suis tellement contente. Donc ouais, si il la donne, c'est pas pour rien. Je trouve quand même que les picots, là, les petits pics, sont super souples. Donc je pense que ouais, ça peut le faire. Moi je suis contente parce qu'une brosse comme ça, je kiffe de la mort qui tue. Donc voilà, Donalove Air. Très belle brosse. Pour de montrer la wig, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a un petit petite pochette comme ça. Donc je pense que c'est pour ranger la wig, hein, je pense. Hein, moi je dis je pense. Voilà. Ensuite il y a une petite carte comme ceci. Donc derrière il y a donc mon nom et prénom, toutes mes informations, donc je n'ose pas que je vais vous montrer, voilà. Hein. Donc on s'en fout. Il y a également un filet et ça j'apprécie aussi le fait qu'ils ont mis un filet dedans. Parce que ça on n'en a pas toujours. Mais bon, l'astuce après, si vous n'avez pas de filet, prendre un vieux collant, le couper et le mettre sur votre tête. Point final. Donc voilà, un petit filet couleur chair, donc ça j'en avais pas encore. Donc et voici la wig, donc la wig qui est assez longue, donc on va tout de suite tester cette petite wig.
d'habitude, hein, comme ceci, un petit filet, comme dans toutes les wigs, les connaisseurs seront. Donc, on enlève, on développe, et voilà, une très belle wig. Alors, je trouve quand même qu'elle est assez sèche. Enfin, je sais pas, je la trouve assez... je sais pas, c'est peut-être normal. Donc, toujours le petit pouit-pouit là. Et donc, ceci qu'il va falloir que je coupe une fois sur ma tête. Donc... Enfin, même pas sur ma tête, je pourrais le couper même avant. Je me sentirais en confiance de sortir avec cette wig. Elle est quand même géniale. Voilà, j'ai juste ça à dire. Elle est très belle. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, elle peut passer au fer à lisser. Alors, à un certain degré, bien sûr, moi, je veux vous le dire, mais moi, je ne la lisserai pas tout simplement parce que j'ai envie de la laisser boucler comme ça. Parce que je la trouve très belle comme ça. Et si je la lisse, moi, je dis ça serait une perte de temps parce que, enfin, je préfère boucler que tout plat. Donc voilà, vous saurez que vous pouvez lisser les wigs de Donna Love Hair et comme ça au moins bah, vous savez que ça les abîmera pas, parce qu'il y a certaines perruques où vous les lissez et ça c'est frite, et ça c'est normal, c'est parce que ça supporte pas la chaleur. Et puis bon, faut pas le mettre non plus à je sais plus combien de degrés chez... Enfin, faut le mettre doucement, vous mettez au plus petit degré que vous avez sur votre lisseur. Voilà, ici je vous montre le filet, donc avec les petites barrettes qu'il va falloir que je mette sur ma tête. Donc il y a trois barrettes et bah, le derrière qui est ici. Le derrière c'est toujours où est-ce qu'il y a ça, donc à savoir. Hein. Et voilà, donc moi je la trouve vraiment sublimissime, je la trouve trop belle. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va l'essayer. Donc c'est parti, on va essayer la wig. Je pense que je l'ai dit au début de la vidéo, mais bon, je vous le redis encore, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir toutes les références, etc. Même le lien pour acheter la wig, et je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Bon, je pense pas que vos parents auront le budget pour le coup. Mais bon, ça peut tenter pour un Noël, pour un anniversaire, tu vois. Moi je donne envie, hein, moi je donne envie. Donc c'est parti, on va tester. Go go go, on va mettre le filet. Donc je suis très moche avec un filet, je préfère autant le dire encore une fois. Donc, petit sachet, on ouvre, toc toc. Je fais cette vidéo vraiment speed parce que normalement je ne suis pas là. Enfin je devais partir, mais en fait j'ai envie de prendre mon temps pour faire la vidéo. Voilà. Je suis tellement contente. Donc, c'est parti pour le filet. Donc c'est un filet qui s'enfile. Vous savez bien comment ça s'enfile. Vous le mettez comme ceci, comme un collier. Et ensuite vous mettez votre touffe dedans. Alors il y en a qui font des tresses, etc. Mais moi je ne perds pas mon temps à faire des tresses. Je fais directement comme ça. Donc voilà, je m'en fous des tresses. Moi je ne perds pas mon temps. Alors je ne sais pas du tout comment cette boutique a pu me trouver sur YouTube, parce que enfin je voilà, je ne suis pas non plus super connue. Enfin voilà quoi, ça m'a un petit peu choquée. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ça là, cette petite patate, eh bien soit vous faites un nœud, soit vous le ramenez vers votre front. Mais moi pour le coup je vais tenter le nœud. Voilà, on va essayer. J'ai jamais fait encore le nœud. Alors, vous prenez. Vous faites un petit nœud de ballon, quoi. Et voilà. Faites un petit zigouigoui. Voilà. Eh, je pensais pas que ça serrait autant. J'ai jamais... comme ça. Ah là là. Mais par contre, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, ça, je vais l'enlever. Voilà. Ah franchement, la perruque, je ne la trouve pas du tout dégueulasse, je la trouve vraiment magnifique. J'adore la matière, elle est douce, elle est wouh, tu vois le genre, elle est... je la trouve vraiment très belle. Voilà, donc c'est coupé, c'est magnifique, voilà voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, la mettre et bien la mettre.
Et voilà pour la wig. Donc c'est dommage que je ne peux pas vous faire toucher. Mais vraiment, je trouve que la matière est vraiment très douce. Elle est hyper douce, elle est bien bouclée. Donc voilà, ce serait dommage quand même de la lisser, ça la gâcherait. Parce que vraiment, elle est très jolie bouclée. Et je préfère. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez genre bouclée ou genre lissée. Parce que moi je me verrais mal la lisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Donalove R de m'avoir envoyé cette perruque parce qu'elle est vraiment magnifique, de chez magnifique. Moi j'aime beaucoup. Après, hein, les avis sont les avis. Hein, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis encore de checker ma description pour aller voir toutes les informations de Donalove R. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez donc la lisser mais à un certain degré. Je mets tout dans la description, comme ça vous pourrez tout savoir. Et voilà, donc je suis très contente. Allez voir sur le site, donnez-vous envie. Enfin, vraiment, c'est des belles wigs, donc allez-y. Il y a même des extensions si vous êtes intéressés. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde !